Allez, on va tester. On va tester ce petit jeu. La moutarde et Dear Villager, bien sûr. Donc, quel décalage audio et visuel? Donc, en mettant un pis sur le rythme, parce que tu. Oh non! Oh non! Je baisse un peu le son, il a fort le son. Oh non, les amis! Au secours. Est-ce que je suis en rythme déjà? Je pense que même ce genre de truc, j'arrive pas à être en rythme, hein, vous savez. Je vais rester dans le... Ok. Mais non, j'ai un MS sur mon écran. Après, c'est la Switch. C'est les 50 MS de la Switch. Regarde ces Pokémon. Ok. Ah, j'ai trop de vibrations. Non, les vibrations. Non, mais j'ai rien enregistré le jeu. Ah, vous allez voir. Là, vous allez voir du gameplay du jeu. Je me mets en faible, ça va bien. On va jouer à un jeu de qualité, les amis. Et vous allez voir ma capacité. Ma capacité de jeu de rythme. Est-ce que vous avez déjà vu Pyro sur un jeu de rythme? Eh ben, vous avez pas envie. Vous avez pas envie. Si Minecraft remarche, on essaiera de le lancer. Mon frère et moi avons grandi ensemble avec notre mère. Oh! Nous pensions que le monde autour de nous était infini. Oh! Les vastes étendues d'herbe de notre jardin. Le sable chaud soutenant la brise marine. Notre petite île déserte semblait sans limite. Cette petite île que nous avons parcourue des milliers de fois. Non, je vois, c'est écrit le titre. Hein. Tous les jours, maman nous entraînait. Allez, belle maman. Suis le live. Elle répétait sans cesse que nous deviendrons des héros. L'héros de la légende, destiné à sauver l'univers. Oh, elle est gentille, maman. Hein. Elle a une grosse culotte, maman. Maman était dure avec nous. Mais on ne connaissait que ça. La nuit, nous arrivait de sortir avec Rob. Rob ! Lorsqu'on n'entendait rien d'autre que le vent parcourant l'herbe. Y'a Rob dans le jeu. C'est un jeu pour Mbub. Sous ces millions d'étoiles, c'est fort ! Nous nous sommes fait une promesse. Faut que ça... Ouais, faut spam. C'est de nous enfuir le plus loin possible d'ici, ensemble. Ah, ils veulent s'enfuir. Mais, maman, tout notre univers. Mais là, c'est que j'espère 10 fois, quoi. Mais nous rêvons déjà d'ailleurs. Et puis on joue à ça, on joue une petite heure à ça, au pire. On verra dans une heure. Là, ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. C'est un jeu de rythme, hein. C'est un jeu de rythme, et c'est là qu'on va perdre toute confiance en l'humanité, hein. Qu'est-ce que tu fais? L'oriage. Fais voir ça. Ah. Oh mais c'est maman. Maman. T'as oublié de faire les épines sur le fouet, mais c'est plutôt réaliste. Non, il t'a moins 50%, il était à 6€ je crois et j'avais des points donc j'ai quasiment pas payé. Pour un enfant de 3 ans, tu as du talent. Talent, 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 talent. T'es encore un peu stupide par contre. C'est petit qui est grand frère. Notez, hein. T'es encore jeune et les entraînements sont difficiles.
Mais tu t'habitueras. Tu es bien plus doué que pour ça que moi quand j'avais ton âge. Donc le grand il a 3 ans, c'est le petit frère. 3 ans et tu lui dis 3 fois ma taille. Je ne comprends pas ce qui va pas chez moi. Allez, gâteau bidet. Oui, c'est vrai qu'à ton âge, j'étais 3 fois plus intelligent. Oh, oh, oh. Oh mince, elle arrive. Oh, 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 les enfants, c'est le Père Noël. Maman, tu peux ouvrir la porte avec la poignée, tu sais. Guachin, tu n'es pas mes entrées spectaculaires. C'est la 8ème fois que tu casses la porte cette semaine. Oh, oh, oh. Prends l'exemple, ton petit frère, ça le fait rire. J'ai 10 ans, maman. Ça ne me fait plus rire. Il a 10 ans. Et c'est pas lui qui va devoir tout réparer. Oh, il te plaint. Viens avec moi dans le donjo. C'est l'heure de notre entraînement. Non. Pas laver les pieds dans le gâteau. Mais qui est bête, ce gosse. Coup dur pour la porte. Aujourd'hui, on va répéter les bases. Ah. C'est non. Ça vous maintenant. Ah. Je sais faire. Moins que d'habitude les enfants. Oh il était temps. Ça me ressemble à celle TSK. Quoi? C'est gratuit ce que tu dis. On dirait que j'ai en meuf. Oh là là. On va juste le duquer. Que dites-vous d'un second bouton? Oh. Les gâchettes et les boutons latéraux. Quoi? Je sais faire. C'est l'entraînement, hein, c'est le tuto. Tout se passe bien. Pas mal, les enfants. Allez, un petit échauffement. C'est parti. J'étais pas prêt. Cours. On peut faire pause, c'est bien. Mais à l'aide. Je suis nul. Quoi? Mais t'as vu le truc? Bon, les enfants, c'est l'heure de duel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas encore. Mais vous devriez vous enfuir. Vite. Ah. Elle est sympa la maman. J'ai le buzz Pokémon. Mais oui, c'est fait exprès, c'est une référence à Pokémon. On fait le perfect, hein. Hein.
les enfants, j'ai le rythme. Hey, c'est pas rêvassé, on part pour un footing. Arrêtez les morveux. On donne la forme, maman. Tu pourrais nous encourager? Aujourd'hui, la vie est injuste. Ah. Ça, c'est que moi, je vois rien. C'est plus vous qui regardez que moi le jeu, en fait. Cette dame, hein. Je sais pas ce que vous pensez, mais elle est dangereuse. Cadre Nagalers, bonsoir. Bravo. On a fini le premier niveau, les amis. Tintin. Je crois que c'est une référence à Pokémon, mais je suis pas sûr. Vous vous avez envie de rentrer, mais elle vous regarde d'un air menaçant. Elle ne va pas attaquer. Que voulez-vous faire? Un barrel. Big Mama, j'ai arrêté dans ta poche secrète. Ici, c'est Pokémon Reference. C'est une grenade. C'est super dangereux, elle commence fort. Ça, c'était une esquive acrobatique. Big Mama s'énerve. Elle part à une nouvelle attaque. On va danser. Faut commencer une danse endiablée. Big Mama, j'ai arrêté dans sa poche secrète. C'est une machine à laver. On se demande où elle cache tout ça. Le pouvoir de la danse vous rend invincible. Il va penser que le coup de la machine à laver fonctionnerait. Attention, elle va attaquer. On va esquiver. Le mage de sa poche secrète. C'est dégoûtant. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez évité l'attaque à la perfection. Il va s'en épuiser. Elle décide d'arrêter pour aujourd'hui. Oh là là, les amis, mais quel jeu! Qu'est-ce qu'on est bon, hein. Là franchement, est-ce que vous pensiez voir Dieu 13 ans plus tard? Ah, on évolue. Rob a 16 ans maintenant. L'autre est toujours petit. Alors Rob, qu'est-ce que ça fait d'avoir 16 ans? C'est juste une année de plus coincé de jouer avec toi sur cette île déserte. Bien envoyé. Tu as demandé quelque chose à maman pour ton anniversaire? Oui, une journée entière sans entraînement. Et qu'est-ce que t'as répondu? Elle m'a fait faire 300 pompes. Sacré maman. Dis grand frère, tu penses qu'on arrivera à fuir cette île un jour? Ah, c'est difficile à dire, ça fait tellement longtemps maintenant. Mais je n'oublie pas ma promesse et on continuera de chercher un moyen d'y arriver. Oh wow! Mais tu avais ça aussi, Rob? Plutôt oui. Ça n'a pas vraiment l'air de s'arranger. On devrait demander de la maman, mais vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un glitch. C'est le quatrième mur. Peut-être. C'est le plot scénaristique. Maman! Maman! Elle n'a pas l'air d'être ici. Il y a quelque chose sur la table. 404. C'est une lettre de maman. Les enfants, le monde est en train de bugger. Vous devez fuir.
Prenez cette lettre, la télécommande et rejoignez-moi à la tour de communication. PS, Europe, fais-moi 300 pompes. Rebonjour, direct. La tour de communication, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, j'ai jamais vu de tel sur notre île. Qui? Les bugs, ils sont dans la maison aussi. Il faut qu'on s'en aille d'ici! La maison est bizarre. Ça vous rappelle rien, ces glitchs? Dans Pokémon, un petit peu quand le jeu bug dans les premiers Pokémon et que tu vas dans Glitchland, c'est plus ou moins ça. Elle ne va pas être sur la plage. Il faut qu'on trouve maman. Allons-y, Rob. Plot scénaristique. Ah, on joue. Ah. Vous avez le nom de la musique en bas à droite d'ailleurs au passage si vous voulez. Et en plein milieu du chemin. Et le gros tas de bugs, tu fais un petit métrobe. Et c'est un peu nous tuer pour moi. De même pas, petit frère. Sur l'île, les amis. Encore un bug. Ici, ce missile de référence, peut-être. T'inquiète pas, Chi, on va le faire. Je peux le début. Un garde, gros tas de bugs. Est-ce que vous aimez bien, du coup? Je sais pas comment ça. Ah, regardez si je. J'aimais bien quand je regardais quand j'avais vu un streamer faire. J'avais bien aimé à l'époque. C'est pas pareil à jouer et à regarder, hein, pour le coup. En vrai, c'est fun. Cool. Grave cool. Et ben, installez-vous. Hein. On est quand sur le premier monde, mais je pense qu'il y aura des mondes après et d'autres références, hein. Il n'y a plus de panne. Ah! La panne est finie? 91%. On va jouer une petite heure à ça et après, vous inquiétez pas, on repartira sur Minecraft. Ah! Mais. Mais ça serait pas missile? À tout hasard? Mais dis donc! Vous ne pouvez pas vous échapper. Type demande à Rob de faire quelque chose pour les sortir de là. Télécommande. Rob sort la télécommande de maman dans sa poche. Is this a missing the reference? Il appuie sur tous les boutons. Une étrange orbe apparaît. On dirait Sonic.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça coupe puissant! Ça s'est déclenché quand j'appuie sur la télécommande. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'orbe. Tu crois qu'on peut le traverser? On aurait le choix, les bugs sont partout. C'est le moment de se lancer alors. Allez, on est parti. Oh, oh waouh! Je ne sais pas où on est, mais c'est différent. Pas de bug à l'horizon, je crois qu'on va s'échapper. Rob, regarde! Oh. Oh. On est sur un espèce de vaisseau. C'est l'espace! Bah alors, on est une sorte de station spatiale. D'avoir l'orbe dans une station spatiale inconnue, on devrait fouiller un peu, voir ce qu'on peut trouver. Ok, on va au menu. Et on a un nouveau niveau. Est-ce que vous reconnaissez pas les textures? On reste en facile ou on passe en normal? Sauf que je suis très mauvais en jeu de rythme. J'irai pas en difficile. Ah non, c'est Gigaman! Gigaman! Là, c'est quoi? Brotherhood et Shieldhood. Ah, c'est marrant ça. Allez, on part en normal, on tente en normal. Le nouveau monde, les amis. Ah, ça parle là, il y a du bruit. C'est un nouveau monde. Ça ne ressemble pas chez nous. On a réussi, Rob. On a quitté notre île. Ouh, fini les entraînements. On va pouvoir sortir quand on veut. Manger alors qu'il nous plaît. Mettre le feu aux maisons. Sacrifier les animaux à la gloire du démon. On s'en porte un peu là. Tout à fait d'accord. Maman me manque. Oui, moi aussi. Bon, tu vois une tour de communication quelque part? Non, on devrait avancer un peu, je suis sûr qu'on va finir par la trouver. J'aime beaucoup ta nouvelle tenue. J'espère qu'on la gardera en quittant ce monde. C'est difficile. C'est vrai qu'elle est cool, il y a des boutons partout en plus. Touche à rien, Rob. Dommage. Les créateurs de ce monde ont l'air hostiles. C'est le moment de voir si votre maman est efficace. Ah, est-ce que maman était utile, les amis? On a monté le niveau, on a passé en normal, attention. Concentrer au secours. Qu'est-ce que... ça monte bien aussi. On ne sauvera pas la chute, ça ne va pas tomber. Encore des bugs. Utilise ta combinaison. Pas mal ça. Avec le chat quoi sur ce jeu que je peux lâcher l'écran. Des bisous, bon appétit. Sérieusement, tout est sous contrôle. Ah, c'est le boss là. Que faites-vous là, tout rangé? C'est Bugman. C'est le boss là. Voilà donc intrus, finissons-en. C'est parti, Rob. Aide-moi du mieux que tu peux.
Ah, et Bugman qui décède, et qui bug. Ah, il est redevenu maestro. Ta 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 ta. 80% commence à chuter. Mais ça va, en normal on s'en sort quand même. Gary. Désolé de vous avoir attaqué, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je m'appelle Gary, je ne vous ai jamais vu par ici, vous êtes... Tiberob, nous ne sommes pas d'ici. Vous avez bugué. Notre monde a quelques problèmes. C'est pareil d'où nous venons. Oh, je vois. Alors ces bugs, vous ne connaissez pas leur source? Pas vraiment, on cherche notre maman pour l'instant. Elle me demandait de la rejoindre à la tour de communication. Ça vous dit quelque chose? Il y a un vieux laboratoire abandonné par ici. À part ça, je vois pas. Tout le monde n'est rien. Comment on s'y rend? Tous les sont fermés, on va passer par les égouts. Suivez-moi, je vais vous montrer. Ah, le niveau des égouts. Bien sûr. Ouais, c'est ici, je vais vous débrouiller l'entrée. Le niveau des égouts. Alors, on va falloir qu'on descende là-dedans. Vous n'avez pas le choix, je vais rester ici contre vos arrières. Merci, Guy. Oh, maman. C'est pas la bonne voix que j'ai fait. J'espère qu'on va trouver maman rapidement. Merde. Alors, tu me précises quand même. Mais j'ai faim. Moi aussi, je mangeais bien une énorme pizza. Ah, égout pizza. Qu'est-ce que ça vous rappelle, bien sûr? Des bugs. Oh, oh. On est des tortues avec des shurikens et des bandeaux. Personne n'aurait été pareil, c'est forcément un bug. C'est vrai. Je vois le sol, prends-toi l'atterrissage. Ah, je me disais bien qu'il y a des tortues ninja qui est arrivée là. Les petites tortues qui s'installent. Oh. C'est une texture volée là. C'est pas un bug, c'est les algues dégueulasses. Nagez. Arrête de faire l'enfant et suis-moi. Oui, bah oui. En vrai, il aime bien l'eau, hein. Bizarre de bug avec des yeux, c'est vrai ça. C'est pas beau. C'est pas faux, à partir de des références partout. Ça rappelle les plats étranges que j'ai cuisiné de maman. Qui vient de me couper l'appétit. Tout a l'air de disparaître. Continuons pour disparaître aussi. Les bugs se rapprochent et on tombe sur un portail. Je suis sûr que c'est une coïncidence. Allons-y.
Alors les amis, coïncidence. Oh, on est redevenu nous-mêmes. Je crois qu'il a un peu mal arrivé ce portail. Voilà. C'est dommage, le vent allait bien, mais j'ai un peu froid maintenant. Ah, ah t'es... Oui, oui. Ok. 98% les amis. On s'installe tranquillement. Des références dans toutes les phrases, hein. Tous les textes sont bourrés de références. Si vous aimez les références, c'est que ça. On y est enfin. Maman? Il n'y a personne. On devrait fouiller la pièce pour voir. Ça parle d'expérience sur un mystérieux signal transmis depuis un autre monde. Apparemment, il peut analyser des communications inconnues. Ça n'a pas l'air de donner grand chose. Ne vous êtes pas vraiment. Ça y est, les mecs nous ont retrouvés. Maman n'est pas ici, elle va continuer de se répandre. On devrait retourner à la station spatiale. Quel génie. Et c'est la fin du niveau, les amis. Insane. Insane ce jeu. Ok. Et on passe du coup au niveau suivant. Ça ressemble à du Metal Gear, hein, pour ceux qui ont connu les premiers Metal Gear. Je sais pas si vous reconnaissez un petit peu le style. Donc, je regarde, apparemment, ça refonctionne à Ternos. Je vais essayer de lancer ça. Alors attendez, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. On va s'arrêter là, je pense. Hein. Ouais, du multijoueur, c'est insane.